Tu peux te présenter. Dis ton nom, ton travail. Je m'appelle Yaye. Et que je vends poisson sur le marché de Selma. Vraiment cette maladie, vraiment moi où je suis, ça me fait très peur. Ok, vraiment. Et que. Ça te fait peur pourquoi? Parce que quand quand j'entends la mort, que les gens disent que oui, il y a eu cette mort ici, il y a eu cette mort ici, ça me fait très peur. Maintenant, ça te fait peur là. Quelles sont les dispositions que tu prends pour éviter que ça ne puisse pas passer? Oui, comme ils ont toujours dit à la télévision, et que de nous protéger, de laver la main, et que vraiment nous avons les produits ici, on se lave la main. Et là où je suis ce matin, je me suis lavé la main plus que 4 fois même. Maintenant, vous vous êtes lavé la main. Comment vous avez fait pour avoir ce produit sur le marché? Comment vous avez fait pour avoir l'eau et puis le savon, tout ça là pour laver les mains? En tout cas, le savon, l'eau, et que c'est à notre président. La présidente du marché de Selma, c'est elle qui a envoyé pour nous protéger. Et en tout cas, ça m'a fait du bien. Mais on a appris que quand on vous demande de donner les 100 francs, 100 francs pour pouvoir vous protéger, vous-même vous refusez. Vous pensez qu'elle est en train de s'enrichir sur votre dos? Non. Vraiment, avec moi, ça me fait plaisir. Je dois payer pour éviter la maladie. Cette maladie, vraiment, ça nous dépasse. Et que s'il y a protection comme ça, moi ça me plaît. Je dois le payer. Mais pourquoi tu n'as pas caché ton nez? Puisque je lave ma main. Je sors, je lave ma main. Tu laves la main et la respiration. La maladie s'acquiert par la respiration. Il faut protéger son nez pour ne pas prendre la maladie avec les clients. Il faut protéger la main, ne pas prendre aussi la main. On prend ça par la main, on prend aussi par les narines. La respiration nous envoie la maladie. Les mains, quand tu touches la main avec quelque chose que la personne est infectée, elle te contamine automatiquement. Donc vous devez vous protéger les mains. Vous devez vous protéger le nez et laver régulièrement aussi les mains. Ok. Voilà. Donc ne dis pas que comme tu as lavé ta main là, tu vas plus protéger ton nez, tu vas plus protéger tes mains. C'est important. Tous ceux qui viennent chez toi ici, là, normalement, tu dois avoir un seau à côté de toi. Ils lavent leurs mains avant de toucher ton poisson. Mais si tu ne l'as pas fait, il faudrait que toi-même tu te protèges. Je vous vraiment conseille. Ok, d'accord. Je vous remercie. Ok, bonne journée à toi.